Les amis, je vous explique le projet. Je sais même pas pourquoi j'enregistre ce plan, mais au cas où il se passe quelque chose, je l'aurai. On est vendredi 12 novembre, je suis avec Léa, et elle me dit, viens, on va faire un tour en ville. Et je sais pas pourquoi j'ai pas envie d'aller dans la rue, parce que je la connais déjà trop. Et je lui dis, moi franchement, je serais chaud d'aller ailleurs, genre dans un autre pays. Et là, on vient de regarder les vols pas chers, tiens au courant, on va continuer de regarder les vols. A few moments later. On l'a bloqué hier soir et il était pour ce matin très tôt. Et nous le matin c'est pas vraiment notre plan. Enfin, surtout à toi d'ailleurs. C'est faux, je t'ai prête. Je sais même pas si on va réussir à l'attraper. Quelqu'un a trouvé la destination les amis? Moi je la vois d'ici. Ah, c'est beau, t'avais raison. Je me fais même inviter pour le petit déj, j'ai même le temps de taper le petit déj devant la porte d'embarquement qui est juste là. Viens bébé, viens voir papa, viens, on va prendre des choupitos dans le centre-ville. Ah, merde, un pote. Ah. Et voilà. Je trouve que tu portes très bien les valises. Je serais d'avis qu'à chaque voyage, ce soit toi qui t'en occupe. C'est là? Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Sympa. J'espère que vous êtes prêts. Room tour de l'appartement. Là, on a un petit appartement très design, très Mykonos à Séville. J'aime beaucoup le lit, regardez. Oh là là, grand angle. Oh là là, c'est Mims. Et la salle de bain qui est là. Sympatoche, hein? Mais c'est pas tout. Il y a une petite terrasse sur le lit. Je les emmène sur la terrasse ou pas? Oui, moi je vais voir. Mmh. Allons sur la terrasse. Cette petite terrasse sympa. Ça te plaît? J'adore. Oh. Ah ouais, c'est quali. Hein. Ça, c'est pas mal. Hein. Ça, ça fait la différence. Là, tu te sens bien. Au revoir. Au revoir. Tu connaissais déjà Séville? Non, mais... Première fois avec moi? Première fois avec moi. C'est parti. Room tour. Séville tour. Séville tour, on y va. Hein? Ça fait deux fois hein, que tu me dis que ça te plaît bien. Attention, hein, tu vas terminer en flamenco. C'est vraiment trop mime ça. Mademoiselle, nous allons dîner. Qu'allons-nous manger ce soir? Un restaurant italien. Oh là là! On n'a pas mangé une seule fois espagnol. C'est incroyable. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Comment on dit bon appétit? T'as oublié déjà. Buen provecho. Tu mets ça à 11h. Bah oui, 11h ce matin jusqu'à ce soir, tu devais le retenir. Dis-moi ce que tu sais dire en espagnol. Hola, señor. Hola, señor. Ouais. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Ah, okay. Tu m'as demandé mon âge? Non, j'ai pas. Bah, y'a mon Julian et tout. Oh, que magnifico nombre tienes. Hasta luego. Allez, ciao, bye bye. Oh, regardez le détail. Oh, des raviolis aussi. En fait, je vais faire une chaîne YouTube que sur la nourriture, je pense. Tu fais du hummus, là, c'est hummus classique. Ça, j'adore, c'est du pain pita. Ça. Et arrête, et là, c'est du hummus. Moi, j'aime pas le hummus, mais j'aime le pain pita. Oh, mais les amis. Vraiment, je vais vraiment ouvrir ma chaîne YouTube sur la bouffe. Voilà. Bon, par contre, j'ai demandé 100 parmesan. Of course, il y a du parmesan, du gruyère. Et toi, t'as pris quoi? Oh, oh, ça moi, j'ai pris des raviolis au foie gras.
j'aurais trop le seum d'avoir ton assiette. Non, mais ça, ça a l'air c'est dégueulasse. Incroyable. Non. La cuenta per favor. Gracias. Les amis, on a trouvé un truc. On a trouvé une chaîne de télé qui est pas comme les autres. Sachez vraiment que Léa, elle adore cette chaîne. Tous les soirs depuis qu'on est ici, tous les soirs, elle m'embête pour regarder cette chaîne. Vous voulez savoir ce que c'est? Regarde. Je suis mort de rire. Elle regarde un feu. Écoute. Genre ça est éteint là. Hein? Waouh. Et voilà. Les amis, je suis content. Parce qu'aujourd'hui va être une journée très particulière. Aujourd'hui, c'est le premier tatouage de Léa. Écoutez, moi j'ai pas voulu la forcer. C'est elle qui, ça fait un moment qu'elle m'en parle, ça fait un moment qu'elle me dit oui, j'aimerais trop faire un tatouage. Elle me montrait des endroits, elle me montrait des tatouages, des photos sur Pinterest depuis des mois. Et je lui dis, bah écoute, c'est peut-être le moment. Et elle m'a dit, bon bah vas-y, go. Donc elle a sa petite idée. On va aller voir la tatoueuse avec son idée du coup ce matin. Et voilà, je vais en profiter pour en faire un moi aussi. Ou deux ou trois, je sais pas encore. Mais c'est parti. Aujourd'hui, c'est journée tatou. Mademoiselle, est-ce que vous êtes prête à partir? Est-ce que vous êtes stressée? Un petit peu. C'est vrai? Ouais. Genre combien sur 10 sur l'échelle du stress? 7. Putain, gros stress, ça. On va décompresser ça avec un petit jus d'orange. Ça te plaît? Ouais. T'as peur? Oui. Sur une échelle de 1 à 10? 7. Il est pas? Oui. Très beau. Pour. Oui, mademoiselle, il est très beau, mademoiselle. Bravo, premier tatouage. Merci. Les amis, il se passe un truc de fou. Léa, elle a tellement kiffé son premier tatouage qu'elle part déjà sur un deuxième. Non, parce que je suis en apnée, là. Moi, je fais ça des fois quand j'ai très mal. Mais je fais et ça, mais je préfère faire ça que à chaque fois qu'elle pose, je suis en apnée et après, je relâche. Ouais, je préfère faire ça que de sa respiration. Mais... T'es contente? Elle était sympa notre petite. Comment elle s'appelle? Eva. Ouais. Les amis. T'as pas fini, toi? Pour ça, j'ai pas fini. Bah. Je fais pas comme moi, non? Moi, je fais pas que le. Non? Ah non, t'es pas fini. Là, c'est vrai. Oh là. On arrive à quelle heure? 11h. À 11h. Ça fait... Beaucoup trop de temps. J'ai qu'une seule envie là, tu sais c'est quoi? C'est quoi? C'est d'aller voir... Je peux deviner? Oui, vas-y. De manger. Oui, déjà. De manger, oui. Et de voir le flamenco. De voir du flamenco. Des gens qui font comme ça. On y va? Oui. Oui. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé autant que nous notre séjour à Séville. N'hésitez pas si vous avez des tips à nous donner pour la prochaine fois, car je vous dis la vérité, je pense qu'on va très rapidement revenir ici. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Mettez-moi un pouce bleu tout de suite si vous avez passé un bon moment. Et puis je vous fais plein de bisous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, je vous mets en extrait quelques petits moments de la prochaine vidéo YouTube. On a goûté des produits espagnols. Attention les yeux, ça va piquer. Mais non, mais ça va tirer dans le... Regardez les amis. Ah, ça me dégoûte. Oh, j'en ai sur le pantalon.